Non. Bonjour. Ah, vous pouvez si tu es blonde, un fortin poitrine. Voilà. Tu vois, faut trouver des idées, faut être créatif. Mathias. Allez, ben faites un petit chifoumi pour ça que s'il commence. Allez. En combien? En bas, cash, t'es fou quoi. Comme une finale de champion d'Europe. Chifoumi. Ah, le con, il a le même que moi, tu vois. T'as la même stratégie, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Chifoumi. Je suppose que tu as la même question. Je crois. Ouais, c'est pas emmerdé, copier-coller et puis voilà. C'est super. Bravo. tu sais en quelle année je suis arrivé au club? T'as dû arriver. Toi, t'es arrivé 2 ans avant moi. Donc, du coup, je pense que c'est 2013. Toi. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça, puisque toi, t'es arrivé la 2e année de Fédéral Une. Ouais. Avec Keke, avec. C'est ça. Rav, donc, c'est 2015. C'est ouais, ça. T'es arrivé la saison 2015-2016. Ouais, c'est ça. Ouais, pour la montée, quoi. Ouais. Ouais, les années de galère en Fédéral 2 et la première année de Fédéral 1, non. C'était pas assez prestigieux pour toi, c'est ça? Non, ouais, ouais, oui, bah ouais. Ouais. Écoute. Cette question, moi je te dis, perso, je l'aime pas. Tu vois, je l'aime pas. Mais je dois avoir la même. Je lui ai dit, mais c'est sûr. Je lui ai dit en matière. C'est question de trois quarts un peu. Ouais, mais. Ouais, ouais, pour ceux qui brillent et tout. Ouais, ouais. Je crois que c'est la moi, même. Moi j'aime pas ça. Bon, sais-tu combien d'essais j'ai inscrit depuis mon arrivée? Franchement, il y en a tellement. Ouais. Non, je dirais, allez, je sais pas, à la louche, je dirais 5. T'emballes pas. C'est pour ça que je n'aime pas sa réponse. Ouais, ouais, ça, tu gardes ça pour les trois quarts. Nous, tu demandes, je sais pas, combien de pénalités il a gagné en mêlée. Tu l'as, l'info, là? Il l'a pas, l'info. Combien de drops j'ai inscrit? Tu sais ça? Attends. Anticipe pas, on va y venir après, surtout. Ah, d'accord, ok. Sinon, non, donc, du coup, moi, je dirais 5. Ouais. Combien? C'est ça. Allez, on dit ça? On redit ça. Allez, 5 essais. Magnifique. Et du coup, je te retourne la question. Bien sûr. Sais-tu combien? Parce que même moi, je savais pas. J'ai la réponse sous les yeux, mais si c'est comme. Depuis qu'il est arrivé à Angoulême. Ouais. Moi, au vu de tes qualités techniques, parce que c'est vrai que tu as des qualités. Voilà. Ça, je parle sérieux. Au même titre qu'un mec comme Victor Paquet, tu vois. C'est techniquement, c'est l'école toulousaine, tu vois. Ouais. Non, comme ça, je dirais. Franchement, ouais, moi, je le savais même pas. Donc, tu sais quoi, je. 6. Jamais, ah ouais. Jamais. Ah ouais. Mais t'es fou. Non, même je m'en souviens même pas de 1. Il m'a mis 2. Alors, moi je pense t'es un mytho. Moi franchement, je crois que j'en ai marqué aucun depuis que je suis là. Bon, allez à moi parce que celle-là, j'ai vraiment envie de te la poser parce que c'est une question que je me pose moi depuis un moment maintenant. Mais tu pourrais m'expliquer. Je t'explique. Comment ça se fait que tu te fais bizuter tout le temps? Tu sais comment je vais finir cette question? Vas-y. Tu te fais bizuter tout le temps par l'avant le plus léger de l'équipe, j'ai nommé Paul Belzon. C'est toi qui as fait les questions? Je sais même pas s'il est au courant. Je sais pas si le terme de bizuter, c'est. Je sais pas s'il est adéquat, tu vois. Parce que c'est plus moi qui le bizute qu'autre chose, tu vois. Maintenant, le fait de se chamailler, oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais, mais tu vois, à une époque, moi j'ai connu un Younes où je chamais une fois, deux fois. Terminé. Après, ouais, tu mettais une. Tu vois? Tu mettais les points sur les i, terminé. Après, Paul, tu vois, il persiste, tu vois, il continue dans son. Ça, c'est parce qu'il est jeune et fougueux. Et puis, non, je pense que franchement, Younes, tu t'es adouci. Ah, c'est vrai. Ça, c'est mes enfants. Non, mais c'est vrai. C'est mes enfants. Ben oui. Je te le jure, c'est mes enfants. Avant, tu faisais peur à tout le monde. Maintenant. Non, non, bon. Abuse pas. Si, il effraie un peu Paul encore. C'est tout. Mais sinon. Vas-y, tu sais pas qui, hein. Non, mais non, pas du tout, j'effraie personne. Et encore heureux. C'est juste une vanne parce qu'en fait, ils se cherchent tout le temps dans le vestiaire, c'est toujours à se mettre des pièces, à se chamailler tout le temps. Voilà. Ouais, c'est ça, chamailler, je pense que c'est le terme. Après, voilà, c'est que je lui ai laissé la porte ouverte, mais bon, mais maintenant que c'est officiel, c'est ça, ben, je le réglerai. Voilà. Et la prochaine fois qu'on se verra, tu me poseras plus de questions. On verra. Tu me diras pourquoi tu lui as fait mal, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne joue plus pendant 6 mois. Du coup, vous ne poserez pas la question. Vous ne poserez pas la question, on verra. Ah, enfin, bref. Polo. Tu nous entends.